Salut la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo avec Younes. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, je suis trop content, double surprise aujourd'hui. On fait une surprise à Myriam parce qu'elle est pas au courant qu'on fait cette vidéo là. Et deuxième, on va tester Yasmine, les nouveautés Lidl, sachant qu'en été Lidl, Yasmine, ils font des masterclass. Et en plus c'est pas cher. Tu penses que c'est toujours pas cher, les prix ont augmenté, mon ref, dis pas n'importe quoi. Ah si c'est pas cher, tu payes. J'ai pas ma carte. Donc là t'es venu, tu t'es assis passager, je t'ai conduit jusqu'à Lidl, t'as pas ta carte. Non. Wallah. Wallah, j'ai pas ma carte sur moi. Ah il m'attend même pas, mais tu fais quoi? Et pour le petit déjeuner, on va se mettre bien Yasmine, on va prendre les meilleures pâtisseries. Donc déjà, on a le pain suisse 59 centimes. Ensuite, si vous êtes des bons, prenez toujours, mais les gars, toujours un beignet au chocolat. Regarde. Ils sont là, les beignets là, ils sont bien fourrés. Pas les donuts. Non, non, les beignets, il y a 59 centimes. Je sais pas si tu t'imagines, mais comment il fait pour attraper ça, oui. Ah, c'est le petit chien. Petit beignet. On a aussi des beignets aux fruits. Ça, les beignets aux fruits. Que quand vous êtes punis, vous pouvez voir ce que c'est. Un petit pain au chocolat, 49 centimes. Ils battent tous les records. Non, pour la base, des deux. Regardez, les gars, je vous apprends un truc. Jamais prendre ceux-là. Ceux-là, c'est les piégés. Prenez toujours qui viennent d'ici là. Non parce qu'en fait, ceux-là, tu peux pas savoir qui les a mis là. Wow. Parce qu'en fait, ceux-là, la famille, vous pouvez pas savoir qui les a mis là. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Même pas 3 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte. Eh, les gars, depuis qu'il a vu Ronaldo prendre ça, il se bute à ça, frère. Il y a un reportage sur Netflix où il y a Cristiano Ronaldo. Il prend du jus le matin, donc ça doit être bien. Il y a pas de prix. En fait, c'est gratuit. Non, j'espère que c'est pas 5 euros par contre. Ah, les gars, je suis trop content. On continue le petit déjeuner. Regardez les nouveautés. Ils ont mis des sortes de barres comme ça. Elles viennent de sortir. Elles ont l'air incroyables. Là aussi, celle-là. Ça me fait penser à rien. C'est une invention. Ça fait penser à Kangoo Junior. Tu trempes ça dans le lait, Younes. Wow. Ouais, ça, moi, en mode, ils ont recopié aucune marque là. Je prends laquelle entre les deux parce que les deux sont. C'est la gauche. C'est la gauche et du cookie en même temps. Celle-là, ouais. Mais celle-là, elle est fourrée tout au chocolat. Regarde. Bah, si t'as fait déjà ton choix, prends celle où t'as fait déjà ton choix. Oui, ouais, allez, prends ça. Wesh. Je crois qu'il y en a là. Oh. Peut-être qu'il y a des nouveautés là-bas. C'est pour ça. Les gâteaux préférés de Yasmine aussi. On va les prendre. Quoi, ça s'appelle les lélés. C'est une dinguerie. Prenez que ça, Yasmine. A few moments later. Let's go Myriam, à ton avis c'est quoi? Attends, déjà célèbre. Célèbre. Ça vient d'arriver de la school les amis, on était là chercher. C'est quoi? Dis-moi si tu trouves la vidéo, tu gagnes. Le commentaire qui a le plus de likes, elle gagne ça. Un 24 heures cadeau. Hein Myriam, donc. Un 24 heures bouffe. Un 24 heures d'un magasin très particulier. Des nouveautés de Auchan. Et non. Lidl. Lidl mon gars. Wow. Je connais même pas Lidl. On pensait que ça venait d'Auchan tout ça. Incroyable, je viens de rentrer de l'école, vous êtes vraiment les meilleurs frères. Les amis, tu sais que là on a même pas pour 5 euros la table, elle est remplie. Pour deux personnes. Est-ce que t'as faim de ouf ou t'as vite fait? J'ai faim de ouf. Les gars, par le beignet au chocolat parce que ça coûtait 59 centimes. Mais est-ce qu'ils ont fait les radins de chocolat, les gars? Je suis impatient de savoir si à l'intérieur il y a beaucoup de chocolat ou pas. Attention, oh les radins! Ah, c'est pour ça que c'est 59 centimes. Il n'y a pas de chocolat dedans, pas de chocolat. Mais wesh, c'est timide! Pas timide! Prends quand même celui-là avec le plus de chocolat. Bismillah. Dis-nous si c'est actuellement bon parce que Lidl avant c'était ça va, c'était bon. Est-ce qu'ils ont gardé leur qualité? Alors est-ce qu'ils ont mis des bas prix parce que c'est éclaté au sol? Non, en vrai ça va, c'est bon, c'est juste qu'ils ont pas blindé le chocolat. Des radins Lidl, mettez ouais. Plus de chocolat. On va voir dans le pain suisse. Mmh. Le pain suisse, normalement les gars, ça dégouline de crème. Regardez ça. Voilà, regardez la crème. Et comment ça, Samiram, c'est le GOAT. Tu vois Messi, c'est le GOAT. Non, c'est Ronaldo. Pas Messi, le GOAT. La meilleure pâtisserie au monde. Le Suisse. Oh. Ça te donne pas envie d'aller faire un entraînement? Non, je rigole. Et les gars, on parlait de Ronaldo, j'ai vu un reportage avec Yasmine sur Netflix. Il se tapait un jus d'orange dès le matin, les gars. Je sais pas si ça donne de la force, je sais pas si c'est pour être plus fort au foot, mais si Ronaldo il le fait, c'est que c'est bon. On enchaîne avec le pain au chocolat. Un bon pain au chocolat, il y a deux barres à l'intérieur, il y a deux barres de chocolat. Regardez, alors est-ce qu'on a deux barres ou une barre? Une première barre et une deuxième barre, les gars, c'est une masterclass. Comme ça dans le jus d'orange, ça va être bon. Ça c'est mon combo. Vous avez vu là, je mange pas, c'est que elle. Comme on a décidé de lui faire plaisir, jusqu'au bout on lui fait plaisir. Pas une dinguerie. Ça c'est mieux que pain au chocolat lait, hein, je vous le dis. Hein. Pour même pas 3 euros, on se régale, mais genre c'est pas cher. Attends, y a quoi comme suite? Dites-vous, là, il y a 20 minutes, elle était avec son cahier en train de écrire et là, on est en train de manger. Est-ce que tu t'attendais à ça? Pas du tout. Regarde, Myriam, la nouveauté, c'est ça. Barre au chocolat, on va voir ce que ça donne. C'est crispy. Il y en a combien à l'intérieur? Il y en a 5, 6. Ça va en vrai. Ils sont bonnes, les crispy. Oh, regarde, c'est fourré de chocolat, les gars. Oh, la dinguerie! Il y a plus de chocolat que dans le beignet. Théma. Ça coûte même pas 2 euros, je crois. Tiens, je te laisse goûter. Une dinguerie, il y a plus de chocolat que dans le beignet. Je suis choqué. Attends, ça crispy. Ça crispy, ouais. Est-ce que c'est une bonne nouveauté ou est-ce que c'est claqué? Crispy bar, extra croustillant. On dirait un Kinder Bueno? Non! Si? Wesh. Héros, t'as pas croix, je vous préviens, c'est archi bon. Pour finir, ça, est-ce que tu sais c'est quoi ça? Manger des lélés, il y a une certaine procédure. Déjà, la première procédure, faut rentrer de l'école. Si tu rentres pas de l'école, t'as pas le droit de manger des lélés. Ensuite, t'ouvres la boîte, tac, prends un lélé, tu l'ouvres, tu prends, tu le croques et tu le croques pas, tu le suces. Le suces jusqu'à qu'il fond. Comment ça, tu le suces jusqu'à qu'il fond? Voilà, et la main. Non, la procédure, c'est le palais, la langue comme ça. Je mets 4 croix à le manger. Mais c'est le but. Un maximum de plaisir. Je crois que t'étais gros quand t'étais petit, tu faisais que des trucs de haut. Arrête. Mais je me rappelle que tu l'ouvrais pas comme ça, tu l'ouvrais en le pétant. C'est bon, mais t'as décidé que tu veux que je mette 4 croix à le manger. Mais c'est le but, comme ça il y a un maximum de plaisir, comme ça le goûter il dure pas de 4h à 4h30, il dure de 4h à 6h le goûter.
Ah, Myriam, lui, je te jure, c'était le roi des gros quand elle était petit. C'est une dinguerie. Ça, c'est pas Lidl. Ça vient pas de Lidl, mais ça vient de ma maman. J'étais obligé de vous les présenter. Elle a fait quoi, maman? Ça vient de ma maman, qu'elle a fait des cookies. Oh, elle est trop forte, maman. Elle a fait des cookies. Regardez. Waouh. C'est moelleux à l'intérieur. Eh, les gars, mettez un like pour ma maman, a fait des cookies. Oula, mettez-lui un like, elle mérite. Elle mérite. En termes de petit déjeuner, Lidl, je leur mets la note de 10 sur 10. Parce qu'à Lidl, il y a de tout et c'est pas cher. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que Myriam a testé là actuellement, c'est un banger. Ce rayon-là, c'est mon cauchemar. À chaque fois que je venais avec ma mère à Lidl, toujours elle restait là et restait une heure ici en train de chercher comme ça. Je m'en rappelle, les gars, je m'en rappelle, c'est un cauchemar. En plus, il y a que des trucs claqués, regarde, il y a aucun truc pour nous. Regardez tous les. En plus, ça, des fois, ils nous achètent des sourires. C'est chaud, on prend un truc pour Myriam. Mais on va pas mettre ça, Myriam. Fais voir. Si on prend ça à Myriam, elle va nous. Elle va nous tuer. Elle va nous tuer. Regardez comment c'est moche. Imagine ta femme, elle rentre, elle met ça, c'est quoi? Fais-moi ça, c'est quoi ça? Ça me va bien. Quand t'as combien? Dis quand t'as combien? Quand t'as 6. 1, 2, 3, 4. Reverse. Déjà là, c'est quand t'as 3. 1, 2, 3, 2. Oh là là, je crois qu'il a trouvé une masterclass de notre enfance, les gars. Ils l'ont remis, Lidl. Ils l'ont remis. C'est les glaces de notre enfance. C'est trop bon. C'est les meilleures glaces au monde. Je veux rien savoir. C'est pas de la marque. C'est trop trop. Gélatine, c'est pas de la marque. Non, aux amandes, c'est trop. C'est un banger. Vous avez pas menti, les gars. Regardez ce que viennent de mettre Lidl. Des bâtonnets 100% halal. Il y a des nems. Il y a des donuts au fromage. Il y a des mozzarella. En vrai, je pense qu'on va prendre des nems et des donuts au poulet. Myriam, elle va péter un câble. On va regarder les prix. 2,99€. Je suis choqué. Les amis, regardez ce qu'il a trouvé. Seuls les vrais font des combos comme ça en été. Grenadine. Avec de la grenadine et des glaçons, comment ça rafraîchit. 2,50€. En vrai, ça va. Les gars, j'ai trouvé des trucs de ouf. 4 roulés au fromage. J'ai trouvé des pâtes Lidl au fromage et j'ai trouvé des sandwichs. Parce que je sais que ça va pas me caler que le repas. En plus, je suis avec Myriam. On va se régaler. À chaque fois, on arrivait à la caisse. Il y avait toujours des œufs surprises. Et ma mère jamais voulait m'en prendre. Donc là, on va en prendre un. On va en prendre un pour me venger. Maman, jamais tu voulais me prendre des bonbons. Rien, vous voulez rien me prendre. C'est bon, ça filme. Tu veux faire quoi en fait? J'ai pas capté le délire. Bah, en fait, vous avez fait le repas du matin. Oui, alors. Bah, vous avez fait beaucoup pour moi, donc maintenant, moi, je veux faire le repas du midi. Mais tu sais même pas cuisiner, Myriam. Mais tu mets des pulls de Mickey, tu sais même pas. Attends, demande à maman, je vais cuisiner pour elle quand elle était. Ok, tu mets le feu à la maison, on fait comment? D'arroser, je vois que le lavabo. Vas-y, ok, les gars, on va la laisser faire le repas du midi. Si on s'empoisonne, c'est à cause de Myriam. S'il y a plus de vidéos, c'est de la faute à Myriam. Regardez, c'est des soufflés au fromage, mais je savais même pas que les dames ils faisaient ça, toi, tu savais? Bah, non, c'est des nouveautés, c'est comme des grecs. Ouais, c'est balèze. Vas-y, on les met avec le plastique au four. Ça va brûler, il faut enlever. Mais oh là là. T'es sûr que tu veux faire les trucs tout seul? Regardez, ça fait la taille de maman. Incroyable, comment c'est balèze. Oui, j'en mange un décalé. Bah fais-en que deux en vrai. Mais non, mais c'est pas dans ça, c'est pour l'eau. Arrête de faire des trucs de ouf. Je reprends la. Tiens, prends la caméra, je vais faire vas-y. Ensuite, je vais mettre les donuts au fromage, bien évidemment, halal. Je vais arracher un bout de papier, je vais en mettre un et vous allez venir. Mais non. Concentre-toi. Papier, ça brûle. Le papier, ça brûle. Enlève le papier et mets ça au four. Non, c'est pour les gâteaux. Tu mets tout au four, Venir, mais je savais même pas que Lidl faisait des nems halal. Incroyable. Genre, je savais même pas, moi je savais que ils faisaient des nems genre pas halal, toi, genre les nems que t'achètes, que tu manges à la cantine là-bas. Ils nous ont écoutés depuis l'autre fois. Ah, ça se présente comme ça. Par 4, super. Allez, on va mettre tout ça à cuire. Carré. Le repas est servi, incroyable, Lidl, c'est vraiment la base. Attends, mais là, je te vois chanter, là. Mais t'as vraiment cru que t'allais manger ça comme ça, sans effort, sans rien du tout, alors que c'est moi qui paye? Écoute-moi bien, avec moi. Mais non, arrête, tu laisses, ça se fait pas, j'ai faim, moi. Myriam, avant de manger, il faut faire du sport, les abonnés. Quand vous allez manger fast-food, il faut faire des épreuves. Ok, l'épreuve, elle est simple. T'as un parcours que je t'ai fait ici. Si tu le réussis, t'as le droit d'aller manger ton repas. Si tu réussis pas, tu vas manger des haricots verts, tu vas manger du riz. Parti, allez, monte sur la chaise. Dépêche-toi. Carré, tu dois faire ça en 30 secondes. Fait, parfait. Ensuite, elle doit monter sur la trottinette. Super, là, sa trottinette. Échelle. Tac. Super, accélère, dépêche-toi. Un fast-food, ça se mérite, les gars. On mange pas un fast-food comme ça pour le repos. Ok, on avance. Attention. Les petits gestes techniques maintenant, Tac. C'est carré, passement de jambes. Parfait. Virgule. Accélère. C'est bon, accélère. Et le but. Et tu refais une petite accélération là-bas et tu vas manger. Allez, accélère. Comme ça, toi aussi. Moi, j'ai pas grossi après tant d'années, Myriam, c'est le sport. Faut toujours faire du sport. Alors, je vous présente la table de Myriam. On a les gourmandises halal avec le fromage, les pâtes, le sandwich, la boisson et le dessert. Incroyable. Vas-y, mange, c'est bon, t'es récompensé là. Okay. Tu peux goûter. Les gars, c'est un donut, par contre, il est bas de chaud. Est-ce qu'ils ont mis du fromage à l'intérieur ou ils ont fait les rats? Oh, les rats! Oh, les gars, il y a du fromage qui dégouline à l'intérieur. Vas-y, bismillah, j'espère pour toi. Hein. Y a pas de fromage vraiment, fais voir. Peut-être que c'est en mode fromage, en mode gruyère. Ah, c'est sûr, un petit peu. Y en a un petit peu quand même. À ce point là, ça va le coup d'aller faire un shopping là, un shooting. C'est bon, c'est super bon ça. Bah oui, tu me fais rappeler le truc du poulet grillé. Eh, mais ça, c'est trop un VS1 avec le cordon bleu, non? Ils ont inventé ça pour rivaliser avec le cordon bleu. Par contre, commence pas à tester le cordon bleu là, je vais pas rigoler avec toi. Oh, désolé. Les gars, ça, par contre, ça m'intrigue. À tout moment, on peut découvrir un nouveau banger. J'avoue, les gars, c'est. En plus, t'as vu, c'est prédécoupé, ils ont pensé à nous. Là, tu te casses pas la tête à découper.
Wow, y a du bon fromage. Hein. Regardez, c'est là qui En gros, tu sais, c'est quoi, Myriam? Un croissant. Un fondant au fromage. Vas-y, goûte. Moi, je mangeais que ça quand je rentrais de l'école avant. Papa, il me faisait que ça. Vous avez vu, elle a pas tapé un gros croc pour savoir si c'est bon ou pas. Tu peux voir à l'intérieur. Ce saut. Ouais, ça, mon gars. Les gars, maintenant, je vais me rafraîchir avec la grenade, là, c'est trop chaud. Vous savez pourquoi c'est ma boisson préférée? Pourquoi? Parce que je peux pas grossir et c'est. Doucement! Ouais! T'as cru que c'était du Fanta? Rapport avec le Fanta. Mais la grenadine, c'est doucement, après, ça va être trop sucré. Oh là là, mais là, je crois vraiment que t'as pris trop de grenadine. Wesh, elle tombe dans la potion. J'ai vraiment pris trop de grenadine, genre c'est trop sucré. Je t'ai dit, faut en mettre un petit peu. Faut en mettre vraiment un tout petit peu. Et maintenant, on va goûter un truc. Il y a des nems. Maintenant, ils font des nems. Ça, j'ai jamais vu ça à Lidl. Sachant que je t'ai mis. Est-ce qu'ils ont fait les radins au poulet? Je sais pas. Sachant que je t'ai mis des sauces, si tu veux tester des combos. Ouais, bon, on va tester, je pense, en grec, la vraie conseiller laquelle. Moi, je t'aurais mis Biggie Burger. Une bonne Biggie, les gars. Quand vous allez au grec, ne jetez jamais les sauces. Jamais ou quand vous commandez sur Uber Eats. Ça peut toujours servir. T'en mets bien sur le nez. Wesh, le combo, donc tu conseilles nem plus sauce Biggie Burger. Dans notre restaurant, si on l'ouvre, on fait ce combo, les gens ils vont kiffer. Vend ça à 27€, 3 nems. 27€ Ouais, comme ça on devient riche. Je suis malade pour quoi? Pour regarder les abonnés, frère. Pour le salé, je mettrai la note de 10 sur 10. Sérieux? Lidl, c'est vraiment une idée, hein. Et maintenant, on va goûter l'œuf au chocolat. Ça, c'est à la caisse. Par contre, je vous cache pas, je l'ai goûté avant. Wesh, tu respectes rien. On va repartir de refaire un parcours, hein. Par contre, ça s'est cassé tout seul, ouais, c'est ça. Wesh, ils ont essayé de faire la même chose que Kinder. La logique. Mais regardez, le paquet, il est bleu. Wesh. Ouh, c'est ça qui m'énerve avec vous. J'en foutais du chocolat, c'est tout pour la surprise. Moi, je m'en fous de la surprise, c'est tout pour le chocolat. Un requin, frère. C'est un requin en mode gomme, c'est trop bon. Pour la peine, écoute-moi bien, je vais t'attraper aujourd'hui. Ah, vous le goûter avant. Pour la peine, tu vas faire quoi? Tu vas prendre du chocolat. Non, Myriam, tu vas prendre du chocolat. Tu vas le mettre sur ton donut et tu vas manger les dents en même temps. Voilà, c'est carré parce qu'elle a voulu faire ça. Pas de problème, vas-y, mange les dents en même temps. Ah, le chocolat, il est bon, le donut, il est bon, ça fait un bon mélange. Ah, après avoir bien mangé le repas, vous croyez vraiment que ça va être fini? Ah, mais c'est toujours pas. Ah ouais, les glaces. C'est les meilleures glaces au goûter, ça. Et toi, tu regardes vraiment ça là. Ok, vas-y, tu vas voir. Si t'aimes pas les glaces, vraiment, celle-là, là, je comprends vraiment pas. Elle coûte beaucoup moins cher que les autres. Oui. Incroyable. En plus, elle est background. En plus, là, c'est l'été. Est-ce que c'est le moment des glaces en été? Non, non, c'est le moment d'arrêter de poser des questions comme ça. Vas-y, bah, goûte. Vous allez voir l'intérieur. Regardez-moi cet intérieur. Normalement, s'ils ont pas changé la recette, des petits bouts noirs. C'est ça qui rend la glace incroyable. Mais là, t'as pas fait le croc parfait là. Faut que tu croques avec du blanc. Et ça, les gars, ça se mange tout doucement pendant toute la nuit. Pendant que tu regardes ta petite série. Et ils ont pas changé la recette. La recette, elle est pile poil quand papa il achetait des glaces. Elles la sont même. Incroyable. Mais le problème, c'est qu'en 2 minutes, tu auras plus de glace. De toute façon, lui, il fait que de faire des mélanges bizarres. Elle m'a laissé que ça, les gars, pour Lidl. Je veux dire, je suis obligé de me faire un bon sandwich. Ah, tu vois, mais je sais là. Ah, mais regarde-moi ça. Ah. Je dis, ah, les gars, dites-lui, c'est ultra bon. Ah. On remplace un sandwich de la Hesse par la riche. Ah, c'est ça que t'appelles la richesse? La richesse, c'est le caviar. Mmh. Et puis, c'est du fil qui pend. Ah. Ça goûte bon. Franchement, le poulet, ça se marie trop bien avec le thon. Mais par contre, c'est une dinguerie. Il y a trop de choix et c'est pas cher. Regarde, ils hésitent entre pizza, ça, pizza au fromage. Pizza au fromage ici. Okay. On a une pizza ici. Ça, c'est une Rennes. Pizza à quoi? Attends, mais des champignons. Non, mais on peut. Est-ce qu'il y a de la viande? Pizza, jambon, champignons. Ah, on peut pas les jambons, on peut pas y assister. Et là, on a pizza aux 4 fromages. Ok. En vrai, on va prendre 2, on va prendre les 2 au fromage. Je sais pas si vous vous rendez compte, il va prendre 2 pizzas pour 4€. En fait, là, je suis en train de me chauffer pour manger des pizzas margherita. Ça, tu veux qu'on fasse une vidéo, tu regoutes une pizza à 10 000 likes? Je le fais. Les gars, je suis trop content, il va goûter une pizza. On a le cuisinier, je sais pas si vous le voyez là. Laquelle je prends, Younes? Prends la première, elle a l'air d'être bien soignée. Pour le repas du soir, Myriam, elle me saoule avec les sushis, les gars. On va tester pour une fois. Il y a des sushis à Lidl. Les sushis Lidl. Par contre, 5 balles. Ouais. Les sushis sont en or. Petite boisson pour le soir, les gars, j'ai trouvé le nouveau Ice Tea Freeway. Ouais, ils ont mis saveur mangue cette fois-ci. Nouveauté là, elle a l'air incroyable, donc on va la tester là-bas. En termes de bonbons, il y a pas mal de nouveautés, mais j'ai repéré ça. Ça vient de sortir, c'est incroyable. C'est genre des mini bonbons arc-en-ciel. Tous les goûts des fruits. Elle va kiffer ça, Yacine. Le prix, c'est quoi? C'est 1,54€. Ça va en vrai. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, les gars, sur le terrain de foot, lui, Yacine? Quoi? Tu dors partout, t'en as pas marre de dormir? Je dors pas, je réfléchis à la vie. On est dans le 24 heures Lidl et tu dors. Ouais. Eh, Myriam, elle est en train de jouer à la play. T'es pas chaud? Pour une fois, on faisait pas de prank. Je ramène un vrai repas comme ça et teste le repas de Lidl. Non, je suis pas chaud, je suis froid. T'es chaud, on fait un foot? Oh. Ah là, t'es chaud là. Vas-y, lève-toi, dépêche-toi. Lève-toi. Oh, viens, je vais dans le garage. L'alimentation, je débranche pour que ça paye, marche plus. Non, arrête, Yacine, s'il te plaît, concentre-toi. Le tuyau d'arrosage, on le fait passer par là-haut et je l'arrose direct. Non, wesh, arrête, on veut un 24 heures Lidl, arrête, Yacine. Ah, on prend pas? Non, on prend pas. Ah, d'accord. 4€ et j'ai une méga technique. J'ai envie de tricher un peu dans la vidéo, je pense que vous allez dire oui. Et sur celle-là, les gars, de mettre un peu de sauce Biggie Burger. Oh, ça va être une dinguerie, les mecs, je vais peut-être inventer un nouveau combo. On met un peu de sauce Biggie Burger. Oh là là, la masterclass. Et là, tu fais quoi? Je joue à sauce. Ah ouais? Ouais. T'as mis ton nouveau jeu? Ouais. Incroyable. Les gars, les meilleures journées, c'est quand on reste jouer à la play. Pas toi? Bah vous, c'est incroyable. Le repas 100% Lidl est arrivé, Myriam! Ouais, ça doit être ça. Comment ça se fait? Sûr, il y a un piège dedans. Il y a pas de piège, Myriam. Alors, je te présente. Attends.
tu vas partir en vacances. N'importe quoi. C'est juste qu'en fait, j'ai les bras tout blancs et j'ai envie de bronzer. Et j'y arrive pas. Comment on peut faire pour bronzer? Il y a pas de soleil en ce moment. Regarde-moi la peau. Fais voir toi ta peau. Toi, t'es blanche comme un Doliprane. Je te présente le repas. Alors, Myriam, on a deux pizzas. Ici, j'ai mis de la sauce Biggie Barbecue. Ici, on a des sushis My Blow, bonbons et la nouvelle boisson. Ah, ici, saveur menthe. Ce que je kiffe faire, les gars, c'est pendant qu'elle joue à la play. Moi, je reprends sa partie. Non. Et je perds. Non, t'inquiète. Vas-y, ok, c'est pas grave. Touche pas. Myriam, dis-toi, cette pizza de mine, elle coûte combien? 2 euros. Dis-moi si c'est bon, si c'est de la douille. Parce que, les gars, à la pizzeria, t'as au moins 10 euros. Et je pense que c'est la même chose. Ça a l'air d'être la même chose qu'une pizzeria. Oh, puis tous les fromages possibles. On va voir si elle fait le test. Non, c'est bizarre que... Ah, je sais pas, les gars, je sais pas si elle est bonne. J'attends l'avis de Myriam pour voir. Une vraie pizza. Dis-moi, 2 euros, les gars. Eh, dites-nous merci, s'il vous plaît. On vous trouve des combos quand vous levez de chez vous. Dites-moi merci, vous avez 2 euros. Pizza à 2 euros. Par contre, c'est beaucoup sec. Comment ça, c'est beaucoup sec? C'est très, très sec. Ah, ça, c'est pour ça, Myriam. Ici, j'ai mis de la sauce Biggie. Et là, c'est Margherita, c'est la pizza préférée de Yacine. Moi, pour Yacine, c'est la goat. Ouais, mais c'est pas celle-là, il y a trop sauce tomate. Il faut qu'il y ait plus de blanc que de rouge dans une pizza Margherita. Il y a pas beaucoup de fromage, là. C'est pas validé pour moi, personnellement. Pour 2 euros, Yacine, tu peux dire quoi pour 2 euros? Non, pour 2 euros, ça a l'air incroyable. Avec la sauce Biggie Burger, je pense que je trouve un nouveau combo magique. Et si c'est bon, vous mettez tous un like à la vidéo parce que je suis gentil, je vous donne la technique secrète. Je vais trouver un nouveau combo. Wesh. Tu fais quoi? À ce point-là? Qu'est-ce que tu fais? Vraiment si bon que ça. Incroyable. On va se désaltérer. Un iced tea saveur mangue. Oh, il y a eu un pchi. C'est pas du pétrole. Non, il sent bon, hein. Vas-y, goûte-nous ça. La main droite. T'as fait un piège, c'est sûr, je te connais. Mais non, j'ai rien fait pour une fois. Mais la bouteille, elle était fermée, comment elle a pu faire un piège? Wesh, si elle boit comme ça, les gars, c'est que c'est une dinguerie. Tu sais, ça me rappelle quoi? Les trompe-l'œil à la mangue. Trompe-l'œil à la mangue, donc c'est validé du coup. Mais pour l'instant, Lidl, ils font des masterclass. Boîte de sushi, mais tu sais très bien que le sushi, mon plaisir, et t'as fait exprès d'acheter ça. Gars, à chaque fois que je vais au magasin, je dis de ramener des sushis. Il y en a à Lidl. Est-ce que tu penses que ça va être carré? Je pense pas que ça va être carré parce que ceux qui mangent des sushis, ils disent tomber malade. Ouais, tes sushis de Lidl, ils tombent malade. Ouais. Moi, je faut pas écouter les gens, faut se faire son propre avis. On va voir par contre, cela a coûté 5 euros. Oui. 5 euros. Il y en a combien? Il y en a 2, 4, 6, 8, 13, 14. Il y a 14 sushis. Les gars, c'est une masterclass. Par contre, ils ont pas respecté les sushis. Pourquoi mettre des baguettes comme ça? Oh, les mini baguettes en les rats. Oh, il y a de la sauce wasabi. Cap ou pas cap, demandez quoi, sauce wasabi? Cap. Oh, yes. Je vais enfin pouvoir au Myriam manger de la sauce wasabi. Attends, non, mais ça se mange avec des sauces, frère. Il y a la sauce. Regardez ici. Mais attends, c'est un poisson. La sauce poisson. Poisson. Ouvre-le et tu mets un peu de sauce dessus. Attends, je vais en mettre là. Oh, c'est trop bien, les gars, ils ont fait un réservoir. Et on verse son crachat. Non, je rigole. Son crachat, carrément. C'est de la sauce sucrée ou salée? Ça m'a l'air d'être ni sucrée ni salée. Ah ouais. Ça rentre parfaitement. Je vous promets, les frères, ceux qui n'ont pas testé les sushis, testez. Wallah, juste testez. Faites-moi plaisir. Parce que je sais que vous êtes comme Yacine, vous dites c'est dégueulasse. Promets, ça peut être un bail. Crash si tu veux, crash. Crash, vas-y, crash, t'inquiète. Je rigole. C'est quoi de la sauce? C'est quoi? Je sais pas. Ça te dégoûte? Attends, y a un problème, les gars, c'est pas normal. Je crois que tu sais c'est quoi? Pourquoi? Tu sais quand vous achetez des boîtes de chaussures, les trucs qui sont à l'intérieur pour conserver. Pas de la sauce! T'as mangé du poison! C'est du poisson, les gars! Les gars, moi je suis l'avare et c'est bel et bien de la sauce. C'est juste que c'est pas bon, faut dire la vérité. Et c'est de la sauce, ça, les amis. Oh, attends. Donc elle a pas été empoisonnée. Mais comment vous faites pour manger ça? C'est quoi ces sushis là? Ni le sushi, ni la sauce, c'est bon. Ok, ben maintenant tu dois manger le wasabi. Je suis obligé de le mettre dans un sushi? Oui, t'es obligé, tu dois t'engager. Wasabi, wallah. Pour moi, c'est pire que Larissa. C'est du vomi. C'est un poisson, tu le prends, il fait bleh. C'est du wasabi. Ah, on dirait du caca. C'est quoi le rapport? Vas-y. Par contre, désolé, je vais enlever les graines de sésame. La première fois de ma vie, je vois Myriam taper du wasabi. Eh, mais ça pique, hein. Ça pique de fou. De fou. Tu vas aimer parce que toi t'as un palais d'Oberman. Non mais tu vas pas tous les cracher quand même. Tiens. Mais ça pique. Tiens, mais bois de l'ice tea. Mais les gars, elle assume pas. Vous m'avez piégé, je savais que vous m'avez piégé. Ça y est, moi je joue à la play, je veux plus vous parler. On t'a pas piégé, c'est les sushis de Lidl, frère. Ça doit être ça, ouais. Vas-y, reprenez votre plateau. Moi je prends que mes bonbons avec ça. C'est carré, mais les sushis. Ah, la Gino. Combien sur 10? 0. Carrément, on va se rafraîchir avec un petit bonbon arc-en-ciel. Flair. Là ils sont bons, 1,53€. Ça? Même les bonbons, ils sont claqués? Ouais, mais je me barre en vacances. Regarde, Myriam, elle a kiffé Lidl. Franchement, Lidl, c'est validé par la code familia. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un max de likes, objectif 5000 likes. Je compte sur vous. Nous, on vous laisse là. Ciao.